matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de louange, de partage de la parole, de prière ensemble. Quelle joie de vous voir connecté en aussi grand nombre tous les jours pour un moment comme celui-ci. Et merci de votre fidélité pour cela. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Sans oublier, bien sûr, de me dire d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant « Waymaker ». Tu traces un chemin. Alors, on y va, la petite flèche pour les paroles de ce matin. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Ce chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Encore. Oui, tu agis, Seigneur. Maintenant dans les corps malades, tu souffles le vent de ta présence, de ta paix. Chasse toute anxiété, toute dépression. Tu poses ta main puissante et guérissante sur chaque homme et femme, jeune homme et jeune fille. Seigneur, tu bénis, tu relâches la puissance de ton Saint-Esprit. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, il agira encore, ça c'est certain, il ne cesse d'agir. Le thème de ce matin, ne vivez pas une fausse liberté. On va lire dans Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous contrainte, sous la contrainte d'un esclavage. Alors nous vivons,
Vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans un monde qui se croit libre? Vous m'avez déjà entendu dire cela. Et depuis que les valeurs bibliques ont été jetées dehors de nos institutions, la décadence morale a pris place et elle ne cesse de prendre place et elle va continuer de prendre place parce qu'on n'en veut pas plus de Dieu. Et cette décadence morale va nous conduire malheureusement vers la chute de notre société. Oh, Pasteur Steph, t'as des bonnes nouvelles ce matin. non, ne vous inquiétez pas de cela. Nous sommes passés de la grâce au compromis moral. Et quelqu'un avait dit, l'amour est tout le contraire de se servir soi-même. Et l'une des principales clés du maintien d'un pays est de servir les autres avant soi-même. Et ça serait bien que nos politiciens puissent apprendre cela. Alors, ça dit également dans Galates 5, 15 à 17, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Bon, évidemment, lorsque je reviens à nos politiciens, il y a très certainement des gens dans la politique qui veulent servir le peuple. Alors, je ne mets pas tous les gens dans la même sauce et je ne devrais pas dire ça. Alors, pardon. Alors, elle est là la différence. Marcher selon l'esprit et ou accomplir les désirs de notre nature propre. Parce qu'on est, vous et moi, nous sommes champions pour accomplir les désirs de notre nature propre. On dit que l'on récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Alors, la récolte a déjà commencé et malheureusement, elle n'est pas belle à voir. Et vous et moi avons été conçus, comprenons, nous avons été conçus du début pour la liberté et non pour la tyrannie. C'est pourquoi de grands hommes et de grandes femmes de Dieu dans le pod, grandes femmes, pas tous des hommes et des femmes de Dieu, mais il y en a, c'est pas à Pasteur Steph à juger de cela, mais il y a des hommes comme Gandhi, par exemple, ou Martin Luther, ou des présidents qui, à travers cette planète, dans les années passées, qui ont fait une œuvre extraordinaire. Et plusieurs autres se sont tous levés contre la tyrannie à travers l'histoire. Il y en a beaucoup qui se sont levés contre la tyrannie. Nous avançons tranquillement, malheureusement, vers une société influencée par ceux que nous appelons les experts. Hein, les experts, on parle souvent des experts dans ceci, des experts dans cela, tels que les scientifiques, les experts, les médecins, les experts dans les produits pharmaceutiques, les experts, les politiciens, les médias, tous des experts. Et notre monde a une confiance aveugle envers ces personnes expertes ou influentes. Et par faute de connaissances, bien, la Bible dit que le peuple périt. Par manque de connaissances, souvent, c'est malheureusement des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce que nous avons à faire face va plus loin en ce moment qu'une pandémie. C'est le rejet de Dieu. C'est le rejet de Dieu qui est le plus grave de tout cela. C'est pas la pandémie. Et la décision de nous prendre en main en ignorant le fabricant, qui est Dieu. C'est ça qui est le plus triste de tout. C'est qu'on ignore le designer, comme je dis, le fabricant. C'est pour ça qu'il faut garder le nez, les yeux dans le manuel du fabricant, la Bible. Faire ce qu'on veut dans la vie ne veut pas dire ça veut pas dire d'être libre. C'est pas ça la liberté. Il y a malheureusement des personnes qui voulaient vivre une certaine liberté et qui sont aujourd'hui derrière les murs d'un pénitencier. Certains cartels de la drogue sont devenus très très riches, mais ça n'a pas duré. Mais ça Et c'est une fausse liberté de penser qu'avec plus d'argent et plus de biens
que nous allons avoir ce que nous voulons. Oui, pour un temps, peut-être. Pour un temps, vous allez avoir ce que vous voulez, mais ça ne va pas durer. Et plusieurs de ces personnes qui courent toujours après cette fortune dorment mal, sont inquiets pour l'avenir et ne sont jamais en paix. Mais Jésus, revenons à Jésus qui a payé le prix pour nous libérer de nos désirs égoïstes. Plusieurs ne se sont jamais mariés ou n'ont jamais fondé de famille sous prétexte de vouloir rester libres et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils ont belle vie, voyagé, ils ont fait des rencontres, mais à un certain âge, ils se retrouvent malheureusement seuls. Alors aujourd'hui, vivons la vraie liberté, la vraie liberté qui ne se trouve qu'en Jésus seul, et résistons aux mensonges d'une fausse sécurité qui nous fera vivre une fausse liberté. Alors Jésus nous a affranchis, rappelons-nous cela, Jésus nous a affranchis pour être libres et non pour nous placer sous un autre joug. Alors nous étions sous le joug de l'ennemi de notre âme et Jésus est venu payer le prix pour nous arracher de ce joug-là et nous rendre libres. Alors saisissons cette liberté, car c'est pour celle-ci, c'est pour cette liberté que Christ nous a affranchis. Alors c'est pour ça que ça dit dans le texte de Galates 5 au début, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage, parce que en fait, c'est ce qui arrive. On ne veut pas avoir Dieu au-dessus de notre tête, alors on l'élimine et on se met tout simplement sous un joug, on se remet sous l'esclavage tout simplement. Alors saisissons cela ce matin. Nous avons été affranchis pour la liberté. Ne vivons pas une fausse liberté. Alors nous allons prier ce matin. Je voulais seulement mentionner le fait que nous avons dernièrement perdu une amie, une artiste absolument sensationnelle, un cœur gros comme la terre, Sandra Clark, qui est décédée il y a quelques jours. Et j'aimerais que nous puissions prier pour la famille et les enfants. Thomas, son mari et les enfants. Alors, prions si vous voulez bien, maintenant. Alléluia. Seigneur, merci. Nous prions, nous voulons t'élever. Thomas Bertrand, Seigneur, le mari de Sandra. Merci, Seigneur, Dieu, de poser ta main sur lui maintenant. Et ta main de paix. Une paix et un baume sur son cœur. Seigneur, il y a seulement toi qui peux l'envelopper de tes bras d'amour surnaturellement. Et Seigneur, ainsi que les enfants, merci de poser ta main toute puissante sur chacun d'eux, sur les parents, beaux-parents, Seigneur, les familles, les amis proches. Seigneur, tu souffles un vent de paix, un vent de ta présence, un vent de ta puissance. Merci Seigneur Dieu, pour qui elle a été pour nous, Seigneur, et bénis sa famille, Seigneur, et comble-les. Seigneur, merci, nous prions pour ceux qui vivent des moments de deuil actuellement, de les visiter également, d'une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Seigneur, nous prions pour la protection surnaturelle, Seigneur, de ce nouveau variant Omicron, d'agir puissamment. Merci pour ta fidélité envers nous, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu nous donnes de vivre aujourd'hui. Merci pour la liberté, Seigneur. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là.
tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Il agira encore, ne vous inquiétez pas, il est là, bien à l'affût. Alors, soyez bénis, que Dieu vous garde, passez une excellente journée, demain matin, Dieu voulant. On est ensemble. Saviez-vous que le Liban est le pays du Moyen-Orient où il y a énormément de chrétiens? Et je veux vous encourager à poser un geste de générosité afin de venir en aide à nos frères et sœurs là-bas qui ont tout perdu. On dit que 80% du pays est sous le seuil de la pauvreté et nous désirons ensemble pouvoir bénir plusieurs familles. Alors n'hésitez pas à faire un don en allant sur le lien qui apparaît à votre écran maintenant, en cliquant sur unverredeau.com et ensemble, nous allons faire la différence.